It's the beginning of a new era as Guy Nauvès takes charge of France. Following the retirement of Thierry Dusautoir, Joëlim Guirado takes on the captaincy and will look to inspire an inexperienced squad containing 8 uncapped players and just one over the age of 30. Fijian-born Virimi Vakatawa is set to make his debut after impressing on the 7 series. By contrast, it's Italy coach Jacques Brunel's final tournament before stepping down. A long injury list means 11 uncapped players join the squad, making the experience of captain and talisman Sergio Parisse all the more crucial. Mirko Bergamasco's return from injury is a welcome boost. But history very much in France's favour. Le fait de rajeunir l'équipe, c'est d'une part il y avait des obligations parce que certains joueurs ont décidé d'arrêter avec l'équipe de France qui est terminée après la Coupe du Monde. Je suis parti du principe qu'il valait mieux travailler pendant 4 ans avec les mêmes joueurs plutôt que de travailler avec des joueurs qui terminaient dans un an ou deux et puis repartir à zéro. Mon objectif, c'est de travailler dans la continuité, sachant qu'on a peu de temps, les joueurs ne sont pas présents souvent en sélection. Ultimo sei nazioni di Brunel, siamo una squadra con diversi giocatori, più precisamente 10 giocatori che non hanno mai giocato a livello internazionale, quindi sarà un sei nazioni sicuramente molto, molto difficile, ma allo stesso tempo con tantissima volontà immagino dei nuovi ragazzi a fare bene con la maglia azzurra. Pour nous, oui, effectivement, c'est la France avec des changements à la tête de cette équipe, des changements dans leur composition d'équipe également. Nous rencontrons les deux premiers matchs, deux équipes qui je pense, sont revanchardes quelque part, que ce soit la France et l'Angleterre. Donc pour nous, ce sera un début de tournoi extrêmement difficile. On sait qu'on va jouer une équipe d'Italie et que l'équipe d'Italie est toujours prête pour jouer l'équipe de France. Mais on va essayer vraiment de se focaliser sur nous-mêmes, sur ce que l'équipe de France va faire ce jour-là. Et la semaine prochaine sera vraiment très importante dans l'approche et dans le travail pour que l'on soit conscient et que ça passera que par nous et que l'adversaire, on ne peut pas forcément le regarder trop. Il vaut mieux qu'on se focalise que sur nous-mêmes.